C'est un match de reprise. On a eu 5 semaines de préparation. On a eu des temps forts, des temps moins bons. En tout cas, les 20 premières minutes, 25 premières, on n'était pas du tout dedans. On a eu beaucoup d'erreurs individuellement, même niveau marquage, niveau tactique. On a eu, on va dire, 25 bonnes minutes où on a réussi à marquer. Puis deuxième mi-temps, voilà, je pense qu'on a été un peu plus dans le match, on était mieux dedans. On a les occasions pour marquer, il y avait la place, mais heureusement, voilà, le football, ça joue à des détails. C'est de la première ligue au final. Et la moindre faute, ça pénalise. Mal payé, non, pas forcément. C'est comme je dis, c'est un match de reprise. On aurait pu aller chercher le 3-3, on a pris un but. Si on avait peut-être mieux commencé le match, on aurait pu aller chercher autre chose. Mais voilà, malheureusement, on a joué, 65 minutes sur 90. Et en première ligue, ça se paye. On n'est pas inquiet parce que je pense qu'on est une équipe de jeunes ou qui savent jouer au ballon. Pour certains, c'était leur premier match en première ligue. Et voilà, il faut s'adapter. On a un nouveau groupe, on a 13 nouveaux joueurs. Le temps de... Ça prend la mayonnaise, bah, il faut un peu de temps, mais moi je ne fais pas de soucis. Je pense qu'on va jouer du beau football et on va prendre match après match et puis je ne fais pas de soucis pour ça. Bon, il y a 14 nouveaux joueurs, c'est grand, c'est beaucoup de joueurs qui sont arrivés. Maintenant, comme je dis, il faut que ça prenne un peu la mayonnaise. Mais je me suis senti à l'aise, voilà. C'est une équipe de jeunes qui ont de l'envie, qui ont envie de jouer, qui ont envie de montrer, qui ont peut-être envie de passer un palier aussi, d'aller plus chercher beaucoup plus haut. C'est en Méran, on a un club, voilà, on peut faire la transition. Donc je pense que ça, voilà, ça va venir petit à petit. Voilà, c'est le premier match, malheureusement on a perdu. Mais on va aller chercher chaque match avec l'envie et puis on verra ce qui va se passer.